Les accords politiques se multiplient, tout comme les propositions de sortie de crise. De nombreux partis politiques ont déjà présenté leurs documents et aujourd'hui, c'est CESOC, citoyen engagé pour une proposition de sortie de crise, qui emboîte le pas. D'où vient cette structure et pourquoi est-elle déterminée à proposer à la nation son plan de sortie de crise? Le pasteur Thomsley Budler-Laguerre l'a présenté. CESOC, c'est voix pays à cap pleine qui rêvait dans les oreilles. Yon bon citoyen, citoyenne de toute tendance, tout secteur, secteur politique, secteur religieux, secteur handicapé, droits humains. Ça te prend nous plusieurs semaines à fourrer, garder, attendre tout ça qu'a dit dans la presse. Presse parlée, écrite, télévisée, sur tous les réseaux sociaux. Nous te mettons sous table là tout accord. Tout ça mon a dit. Ou ka prend accord Montana, ou ka prend Pen, ou ka prend Solaria et la Trier. Sans force côté, avec tête reposée pour bon gens intérêt maman nous Haïti. Nous rivé prenons morceau dans chaque accord. Sans passe pour qui? Nous mettons ensemble. Et ce résultat travail pendant environ 2 mois ça que CESOC te présenté by nation hein, dans point de presse li te bay dans jour jeudi qui était 9 septembre 2021 là. Plus d'une dizaine de mois de rencontres, de débats et de prise de connaissance des propositions précédentes auront été nécessaires à son aboutissement selon le député Jean-Willer Jean qui résume le document. Un conseil national présidentiel CNP, qui va composer de 3 personnalités haïtiennes réputées, honnêtes, crédibles et qui jouissent d'une certaine et positive notoriété auprès de l'opinion, dont un représentant de la présidence, un représentant du Sénat de la République, un ou une représentante de la classe politique ou de la société civile. Le gouvernement est composé d'un premier ministre, des ministres, des secrétaires d'État sortis de la classe politique et de la société civile. 3 mois après l'assassinat du président de la République, la scène politique est en effervescence et la continuité de l'État doit être assurée. C'est dans ce contexte de vide institutionnel et constitutionnel que le CESOC fait son entrée sur la scène politique, explique le député Vasco Ternelan. Donc, pas gagné journée jodia, aucune formule sous base constitution avec la loi pour combler vide la mort président Jovenel qui était dans tête l'État. Nous constatons qu'il y a un pile d'efforts qui fait pour joindre une formule pour combler vite ça. Cependant, chaque proposition a une faiblesse par yo et quitte yon en catégorie acteur sous-côté. Accord 30 d'août là, ce n'est pas formule idéale pour résoudre la crise pays à traverser journée aujourd'hui. C'est peut-être ça. Nous, yon groupe citoyen, femmes et garçons, toute tendance mélangée, qui gagne même droit à tout l'autre citoyen, te chita réfléchi sous crise là. Et nous mettez campé yon estructure qui fait yon proposition by nation nan date 9 septembre qui saute passé là dans Villa Thérèse, dans Pétionville. La liste des propositions continue de s'allonger. Chaque structure a sa propre lecture de la situation et voit différemment des autres comment apporter une solution. Pourtant, tous les documents présentés jusqu'ici ne portent qu'un seul nom. Proposition de sortie de crise. Chacun a sa force et ses faiblesses, certes, mais qu'est-ce qui empêche les acteurs politiques de dégager une synergie en vue de produire une seule proposition? Le député Jean-Wilson Hippolyte, président du comité de pilotage, plaide dans ce sens. M'a lancé un appel solennel by tout secteur dans la vie nationale là, à notre diaspora, pour encourager yo rejoindre nous pendant
n'a félicité toute parti politique et organisation qui déjà embarqué dans des démarches. La structure dénommée Citoyens Engagés, CESOC, a présenté ce vendredi au grand public une nouvelle proposition de sortie de crise. Un exécutif à deux têtes, formé d'un conseil national présidentiel de trois personnalités et un premier ministre qui aura pour mission la formation d'un gouvernement d'ouverture, ce sont les différentes suggestions de ce document administratif. Reste à savoir, comme tant d'autres déjà rendus publics, quel sera l'avenir de cette nouvelle proposition de sortie de crise. Les Sidiou Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.